Je me tiens à moi-même cette chronique. Cela me semble la moindre des choses que de consigner la minute éternelle de mon empire de sang. Il faut bien quelqu'un pour rendre compte de toute cette absurdité. Un témoin pour personne. Tout n'est rien que fureur, avidité, souffrance infligée et subie. Tout n'est rien. J'en témoigne devant le néant. Un fleuve de sang sous l'ombre éternelle. Mon ombre. Regardez-la, la reine morte. Elle dort de sa belle mort, et peut-être même rêve-t-elle. Elle s'éveillera bientôt, à la nuit tombée. Mes créatures ne supportent pas la lumière du jour. Elle a une faiblesse. Jeune, je m'amusais à les exposer. Ils brûlent étonnamment bien. Le temps a passé. J'ai cessé ces jeux puérils. Ça fait des siècles et des siècles que je n'ai pas eu une révolte à mater. Je ne m'occupe même plus de savoir ce qu'ils font. Ils se sont donné des lois, des gouvernements. Ils sont aussi peu intéressants que le bétail dont ils se repaissent. Elle, c'est un peu différent. Elle arrive encore à attirer mon attention. Quelquefois. La bataille des champs de Mésopotamie, bien avant que ne voient le jour les cités d'Arata et de Sumer. Les temps antiques virent de hauts faits et des actes de grande bravoure. Celle-ci fut la dernière. La reine morte Iréa a négocié. Au milieu des cadavres des hommes et des cendres de vampires, le traité, qu'on appelle communément Concordat. Vous lisez ? Vous ? Moi. Que voulez-vous ?
Vous êtes toujours passionné de ces précieuses mécaniques. C'est étonnant, ce goût pour des instruments de mesure d'un temps qui n'a pas de prise réelle sur nous. C'est, je crois, la réflexion que Nosferatu vous aurait faite s'il vous avait surpris ici. Que veut mon seigneur ? Oui, je suis son messager. Encore que bien souvent, je porte des messages dont il n'est pas l'auteur. Qu'ordonne-t-il ? Rien. L'ordre politique instauré par la reine Iria pourrait encore connaître des troubles. Des troubles ? Je vous assure que je n'en sais rien. Je vous assure. Rassurez-vous, je ne vous accuse en aucune façon. Je suis au service de la reine morte et de l'ordre qui règne sous l'ombre. Je n'en doute pas. Oh, mais je suis trop imprécis. Trop vague. Un vampire proche d'un prince m'a fait savoir que son maître avait l'intention de rompre le pacte qui nous lie aux hommes. Rompre le concordat, mais la reine morte ne laissera jamais mettre en danger l'Imperium. Elle s'y opposera. Quand elle saura. Que suis-je censé faire? La prévenir qu'un prince inconnu menace l'ordre qu'elle a imposé? Un prince inconnu. Vous connaissez son nom, je suppose. Quel prince serait assez puissant, assez avide, pour défier Iria? Le comte Rostro veut redevenir le chasseur qu'il était. Vous savez maintenant, vous êtes le chef des familles mineures. Il me paraissait normal de vous prévenir que la partie était lancée. Nous allons être pris entre la reine Iria et le clan du comte. Il va nous falloir choisir un camp où nous aurons deux ennemis au lieu d'un. Deux fois plus de chances de mourir. Je vous laisse à votre réflexion stratégique. Je pense avoir bien servi mon maître, car il n'aimerait guère, je crois, que sa chère Iria meure dans un sordide guet-apens. Je me demande si quelqu'un sait vraiment ce que veut le Seigneur de l'Ombre. Mais toi, Gord, que veux-tu? Qui était-ce? Gord, le gardien. Il vient de me prévenir. Quel calcul subtil! On le dit aussi fou que son maître. Rostro veut rompre le concordat. Il va déclencher le chaos. La reine n'en sait encore rien. C'est de moi ce dont il m'assure. Il veut que je la prévienne. Que vas-tu faire? Je me demande bien pourquoi Gort est venu. Qu'attend-il de mon alliance avec la reine morte? Qu'importent les projets de ce fou? Il m'importe. J'aimerais tout de même comprendre quel engrenage ont pu amener le gardien à venir me prévenir. Il y a une mécanique à l'œuvre, mais celle-ci, je ne la comprends pas.
comme ça, ça ira. Je ne m'y ferai jamais. C'est la loi. On lime pour se fondre dans le paysage. Allez, viens. Tu vas être en retard à ton rendez-vous. Au revoir, docteur. À dans 3 mois, capitaine Dark. S'amuser. Le monde change. En fait, il a déjà changé. Il n'a plus rien à voir avec celui du Concordat. La crise menace. Tout ça va exploser. À vous entendre, il faudrait faire la révolution tous les 15 jours. Je ne vous parle pas de révolution, mais d'action déterminée.
Nous sommes en position de force. Mes amis, nous avons tous ici le souci du même combat. Allons. Ne nous donnez pas de leçons de diplomatie. Nous ne sommes pas dans les salons feutrés de l'Empire. Nous complotons. Loin des caméras, des plateaux, on peut se dire quelques vérités. Je ne comprends. Il est vrai que vous pouvez exercer ici, sans grand risque, votre goût pour les discussions passionnées et inutiles. Notre but est d'être constructif, penser des réformes. Il s'agit bien de ça. Je prétends que l'heure est arrivée de changer le système et d'arrêter de croire qu'en négociant des bouts de ficelle, nous agissons pour le genre humain. Vous faites décidément partie de ces archaïques qui croient que renverser la table est la seule solution pour tout. Mon jeune ami, il faut être réaliste. Laissons les chimères pour ce qu'elles sont. Les chimères ? Vous ne pensez qu'à conserver votre petit pouvoir minable. Et vous ? Vous ne songez pas à garder le vôtre, peut-être ? Et qui n'est guère plus brillant, si j'en crois les dernières dépêches qui sont tombées. Votre base ne vous suit plus trop, voire vous déborde, carrément. Du calme, je vous en prie. Nous avons en charge de trouver une solution raisonnable. Il faut que le pouvoir vampire puisse l'accepter sans se sentir floué. Il faut que les masses humaines puissent comprendre que nous voulons leur bien pour qu'elles nous suivent. N'insultons pas les premiers, n'ajoutons pas par des propositions inconséquentes au sentiment d'insécurité des seconds. La juste mesure est en toute chose gage de réussite.
Ramenez la voiture. Je rentrerai seul. Bien, maître. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis le capitaine Dark. La reine m'attend. Allez-y, je vous en prie. Ma reine, je viens vers vous car tout le monde connaît votre esprit de justice. Je sais que Rostro a l'intention d'agrandir sa famille. Les comtes, Rostro, Dark. Le comte. Je vous prie de ne pas déroger au protocole. Vous savez bien que c'est ma marotte. Le comte Rostro veut augmenter sa famille. Il ne m'en a rien dit. Vita. Vita. Dis-moi. Se pourrait-il que le comte ait tout simplement oublié de me prévenir? Ma reine, rien ne peut laisser supposer que le comte nourrisse des projets dont il ne vous tiendrait pas au courant. Vita, dis-moi. Si cela était le cas, tu le saurais certainement. Et tu me préviendrais. Je vous assure, ma reine, qu'aucun rapport ne va dans ce sens. Des rapports, Vita? Voudrais-tu me dire que tu fais espionner le comte en toute illégalité? Non, ma reine, bien sûr que non. Ma langue m'a trahi. Je voulais dire que... personne n'a entendu le comte parler d'agrandir sa... Ta langue t'a trahi ! Trahir ! Rien que ça ! Trahir ! Voici un mot qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps dans cette salle. N'est-ce pas, Dark ? C'est une très vieille histoire. Nous avons tous payé pour ce que nous avons fait. Bien sûr, Dark. Je pensais à Rostro. Rostro? Le comte? Le comte Rostro ne peut songer à vous trahir, ma reine. Rostro? Me trahir? C'est une idée si étrange. Comment pouvez-vous penser cela, Dark ? Étrange, ma reine ? Très étrange ? Non, un simple oubli. Ou alors, il va le faire, vous prévenir. Un émissaire est probablement déjà en route. Un émissaire ? Pour des pourparlers, peut-être ? La loi ! Ma loi ! Réglemente formellement depuis des siècles le quota des vampires. Vous le savez, il nous faut préserver la ressource humaine. Question de survie. Les pays émergents font de plus en plus d'enfants. Les humains seront bientôt... Je vois.
En effet, les choses bougent dans le monde. Il est possible que nous soyons obligés de revoir certaines règles. Changer la loi. Je vais devoir demander conseil à Nosferatu. Peut-être retiendra-t-il votre suggestion, Dark? Ce serait un grand honneur. Vous croyez, ma reine? Est-ce vraiment nécessaire? On le dit malade. D'ailleurs, il ne sort plus depuis des siècles de la crypte. De plus, changer la loi, ce n'est pas moi, mais le comte Rostro. Rassurez-vous, Dark. Le premier n'est pas mort. S'il accepte votre proposition, il viendra sans doute vous féliciter lui-même de votre initiative. Quant au comte Rostro, quelqu'un lui rendra visite. Bientôt. Allez! Le concordat est le meilleur accord que nous pouvions trouver. Les hommes nous procurent suffisamment de sang pour que nous n'ayons pas à chasser. Le nombre de vampires n'augmente pas. Le leur est exponentiel. La quantité de sang que chacun doit nous donner les maintient à la limite de la survie. Nos banques du sang ont des réserves immenses en or rouge. Cela suffit. Apporte-moi ma serviette. Pas maintenant, Neil.
Va me chercher Imamura et prépare ma chambre mortuaire. Vous m'avez fait demander, maître. Lieutenant, j'ai pris ma décision. Le recrutement a commencé. Vous allez envoyer 3 légions de vampires en Chine. Je veux qu'en 2 mois, ma famille est triplée. C'est pas qu'il faudrait d'abord demander à la reine morte ? Ne t'avise plus jamais de me dire ce que je dois faire. Je suis le contre-ostro. Et je ne me satisfais plus des miettes de l'impérium. Va-t'en, maintenant. Marre de leur loi. Et de leurs foutus accords. J'ai trop longtemps courbé les chines. La nuit m'appartient. Et gare à celui qui se mettra sur mon chemin. Tous les soirs, je me lève en me demandant si le monde est encore debout. Il n'y a pas d'autre solution. Et pourtant, elle nous conduit dans le mur. Le concordat est tout. Mais les hommes sont trop nombreux maintenant. Tous sentent que nous leur exploitons. Nous sommes quelques-uns en fer des stocks. Nous sommes d'une richesse infinie.
Mais si nous les exploitions moins, ils se croiraient libres de notre tutelle. Ils retrouveraient des forces. Contesteraient. Il faut continuer à les pressurer. Pour leur bien. Pour notre bien. Pour le bien de tous. Le système est bon. Il est le seul qui permette aux vampires et aux hommes de coexister pacifiquement. Thank you.
Un moment, je vais prévenir Monseigneur. Vous pouvez entrer seul. Cela fait des siècles que vous n'êtes pas venu me voir. Que me vaut cette visite ? Maître, je viens vers vous car il se prépare des choses au sein de la communauté. N'est-elle pas belle ? N'est-elle pas désirable ? Cette grande dame. Maîtresse d'un sombre royaume sous mon nom éternel. Ma presque fille. Devenir votre fille serait pour moi le plus grand des honneurs. Le don de votre sang ferait de vous plus qu'un père. Vous seriez mon dieu. Iria. Iria. Que suis-je donc pour toi aujourd'hui ? Mon maître. Notre maître à tous. Même si cela fait si longtemps que vous ne voulez plus vous occuper de nous. Assieds-toi, Iria. Tu me reproches de vous délaisser ? Je ne me le permettrai pas, maître. Je ne faisais qu'un constat. D'ailleurs, vous-même m'avez dit il y a longtemps que le peuple des vampires vous ennuyait. C'est vrai. Cela fait si longtemps que vous ne m'avez plus donné d'ordre, que je ne sais plus de quand date votre dernière volonté. Tu as la mémoire qui flanche, Iria. Pourtant, que je sache, aucun vampire n'a jamais oublié le plus petit de mes ordres. Ou il n'est plus là pour s'en vanter. Quand je suis née au monde de l'ombre, j'ai dû me battre. Heureusement, mon père était un de vos fils. Et un peu de sa puissance coule dans mes veines. Je la sens, toi. Oui, j'ai dû mener de rudes batailles. Quand vous m'avez laissé le commandement de vos armées en Mésopotamie, sans une explication, juste en me disant « fais au mieux ». Oh, nous avons gagné, de justesse. Mais après, il a fallu régner et je ne savais même pas où vous étiez. Cela ne plaisait pas à tout le monde. Oui, j'ai dû me battre. Je t'écoute. Le comte Ostro menace d'enfreindre la règle des quotas. Certains vampires sont venus se plaindre de sa volonté d'hégémonie sur les autres familles. En fait, le capitaine Dark. J'ai dû céder sur le fond. J'ai promis que quelqu'un rendrait visite à Ostro. Les familles coalisées pourraient abattre l'Empyrium. Je ne pense pas pouvoir leur résister longtemps. Mais ce n'est pas leur intérêt. Les familles mineures m'ont déjà fait allégeance. Les autres se rallieront. Ostro est très puissant, et je ne peux pas le laisser faire sans intervenir. Il n'est pourtant pas sûr que je puisse réellement l'empêcher de mener son projet à bout. Et puis, les hommes. Les hommes deviennent plus puissants, plus nombreux chaque jour. Ils ne le savent pas vraiment encore, mais bientôt ils s'en rendront compte. Et ce jour-là... Ah, survivre, évidemment. Tout est là. C'était l'aube de l'humanité. Marchions debout. Hommes d'avant les hommes. J'aime bien ce cachot. Il me rappelle ma grotte.
Je suis le dernier ancêtre vivant des hommes. C'est amusant, non? Je me souviens très bien de cette nuit. Je regardais la lune, assis. J'avais froid. J'avais faim. J'avais soif. On mourait comme des mouches. Le chef du clan était blessé à la cuisse. Le sang coulait abondamment. Me croiras-tu si je te dis que je restais là, tiraillé entre ma soif et l'amour de mon père? Il fallait que je vive. Je me suis jeté sur lui. Sucer la plaie jusqu'à plus soif. J'avais mal au ventre à hurler. J'ai hurlé. La douleur a éveillé ma conscience. J'ai choisi de vivre du sang. Après, les choses se suivaient. Normalement, nous fûmes bientôt quelques-uns. Les autres nous servaient de gibier à fuir nos crocs. Ils sont devenus ces humains avec qui tu passes des accords. Un bétail apeuré, mais de plus en plus rusé. Je suis le dernier des grands seigneurs de ce temps. Ces humains, tout de même, ils en ont tué de nos merveilleux princes du sang. Mais vous ne m'écoutez pas. Quoi que je fasse, nous sommes au bord du désastre. Et alors? Tout le système que nous avons mis en place pourrait être balayé. Et nous n'aurons même pas à attendre que les hommes se révoltent. Les vampires vont tout simplement s'entretuer. Je n'ai pas vécu aussi longtemps pour croire que ce minable arrangement pourrait durer. Les vampires ne connaissent l'ordre que par la terreur. Celle que j'exerçais était sans faille. Ils me craignaient plus que le soleil qui les brûle. Le Concordat nous a permis d'assurer notre pouvoir sur les hommes. Mais mon règne a toujours eu pour but d'assurer la paix entre nous. Bien sûr, il y a des meurtres. Mais dans l'ensemble, ils ont compris que nous avons un intérêt commun. Nous prospérons en étant unis. Les vampires alliés pourront mater une révolte humaine. Si nous nous faisons la guerre... Il y a encore quelques centaines d'années, j'aurais pu massacrer Rostrou et tous les siens. Ne serait-ce que par caprice. Votre terreur a failli tout faire disparaître. C'est un reproche. Il est aussi puissant que moi. Si nous nous affrontons, je ne sais qui gagnera. Je veux trouver un moyen de sauver la paix, le Concordat. Peut-être que... vous pourriez... Va-t'en maintenant, avant que tu ne me demandes quelque chose qui me déplairait. Merci, maître. Oh, je vous ai apporté un présent pour vous remercier de vos précieux conseils.
C'est inacceptable. Jamais ma rédaction n'acceptera de publier tel diktat en le présentant comme un accord satisfaisant. L'Église ne peut cautionner un retour au temps barbare. Je crains que le gouvernement des hommes n'y voie une déclaration de guerre avec la communauté vampire. Quelle belle unanimité! Un vrai cœur de vierge effarouchée. Soyons sérieux, messieurs. Je ne vous demande pas votre avis. Vous me laissez chasser en Chine et en Inde. En contrepartie, j'épargne les autres régions du monde et toutes les élites humaines. Je suis plutôt mesuré dans mes exigences. La reine morte, votre reine, pourrait prendre ombrage de ce que vous exigez. La reine morte est mon problème, pas le vôtre. Le concordat est clair dans ses clauses. Pas de chasse. Voir ne te suffit pas. Bouche le silence de l'infini. Oh mon Dieu, nous ne sommes pas du même monde. Et vous n'avez pas le choix. Si vous ne voulez pas être les premières victimes de ma liberté retrouvée, je vous conseille d'arrêter vos jérémiades. Transmettez les règles de l'ordre nouveau. C'est votre rôle. Vous lui devez la vie. Ne l'oubliez pas. C'est déjà mieux. Filez avant que je ne change d'avis. Comme il est rouge maintenant, mon soleil. Comme il me réchauffe le corps. C'est aussi bon que de boire le sang. Quand je pense à ces tristes créatures de la nuit, ces vampires si fragiles, me ferait presque pitié. Cette pauvre Iria, empêtrée dans ses problèmes politiques. Elle y risque quand même la tête à vouloir le sauver, son concordat. Ça m'étonnerait que les familles n'entrent pas en guerre. Elles haïssent Rostro. Et surtout craignent sa puissance. Elles vont de toute façon vouloir l'abattre. Iria est prise entre deux feux. Et elle veut sauver la paix. Monseigneur. Bonne nuit, Gort. Merci, Monseigneur. Vous méditiez, Monseigneur? Du sang, Gort. L'univers palpite comme une chair, tiède et brûlante, torturée. Cette chair à vif n'est plus qu'un immense fleuve de sang. Il irrigue tout. Sans lui, pas de vie.
Pourtant, il n'a d'autre but que de couler avec obstination pour l'éternité. Acrement. Vous croyez vraiment que tout ça n'a pas plus d'importance que ça? Tu voudrais quoi? Que j'espère en une fantaisie suprême? À un certain bonheur, tout simplement. Corte, tu serais un vampire heureux. Il y a si longtemps que je ne bois plus de sang, que je n'en sais même plus le goût. Mais j'ai retrouvé l'odeur des fleurs dans la brise nocturne, le chant des oiseaux de nuit, le bruit de l'eau qui coule. Je n'ai jamais compris pourquoi tu ne veux pas voir le monde pour ce qu'il est. Un fleuve de sang et rien d'autre. Rien de ces petits incidents éphémères dont tu tires tout ton plaisir. Que reste-t-il de vampire en toi, Gort? Tu as pourtant sollicité de naître au monde de l'ombre. Personne t'y a forcé. C'est vrai, monseigneur. Je voulais connaître l'autre côté. Je l'ai connu pour ce qu'il est. Chasse, festin de sang, orgie amère de la chair. J'ai beaucoup aimé cette vie-là, aussi. Comme ma vie d'humain. Maintenant, depuis quelques centaines d'années, j'essaie d'accomplir une espèce de synthèse. Retrouver le monde, ni celui des humains, ni celui des vampires, celui qui est là. Chatoiement infini, odeur, chant, bruit, camailleux de gris et de noir, inconsistance magique, surprise de tous les instants. Mais c'est vrai, monseigneur, qu'est un vampire qui ne connaît plus la soif. Je crains de ne pas avoir encore trouvé la réponse. Tu m'as toujours amusé, vieux compagnon. Toutes ces années à mes côtés. Tu es bien le seul à avoir survécu si longtemps en étant si proche de moi. Je vous aime beaucoup, monseigneur. Crois-tu que cela te protège? Non, je me protège moi-même autant que je peux. Vous êtes le fleuve de sang. Vous êtes l'ombre sur le monde de l'ombre. Je vis avec vous. Mais aussi loin de vous que je le peux. La seule place sûre en ce monde, c'est celle de fou de roi. Tu as arrêté de boire pour ne pas mourir. On peut le dire aussi comme cela. Tu es un sage, Corte. Oh, un accident peut toujours arriver. Je ne peux pas tout prévoir. C'est vrai que tu es mortel. Moi, l'éternité s'ouvre devant mes pas. Il n'y aura pas de fin à mon règne.
Les hommes se font saigner en masse pour pouvoir consommer. Des flics vampires traquent les réfractaires à la sainte consommation. Les hommes s'échinent à produire des biens qu'ils achètent de leur sang. Le pouvoir, l'impérium, croit encore à une paix qui n'existe plus. L'armée de Rostro commet déjà ses premiers carnages en Chine et en Inde. Les familles sont déchirées et une guerre encore larvée est sur le point de devenir ouverte. Rostro contre les familles unies. Bientôt, tous contre chacun. C'est la fin d'un monde. La nuit est fraîche aujourd'hui. Je suis ici depuis plusieurs minutes, Rostro. Je te regardais. Ainsi, tu as repris la chasse. Je suis un prince du sang. Tu n'étais qu'un homme. Tu as supplié à genoux pour devenir vampire. C'était il y a si longtemps. Et ça n'enlève rien à mon rang. De toute façon, tous les vampires vivants ont supplié à genoux de le devenir. À part vous. Bien sûr. C'est vrai. J'étais le premier, je suis le dernier. On dit que vous n'avez plus le goût de rien. Tiens donc, on dit ça? On le dit. Vous n'interviendrez pas? À ton avis? Vous vivez reclus dans votre crypte depuis si longtemps. Je suis ici pourtant. Ça signifie quoi? Rien de spécial. Vous voulez me tuer? Si je voulais te tuer, tu serais déjà mort! Thank you.
Pas tué. Il m'a juste fait sentir qu'il me tuera quand il le voudra. Un jour, il le fera. J'en suis certain. Simplement pour le plaisir. Le père des vampires et des hommes est un être absurde. Alors, je vais chasser. Je mourrai en vivant, prince! Des familles aussi. Ce petit monde va s'entretuer.
Les humains vont aussi s'en donner à cœur joie. Le chaos ? La fin du monde ? Puis un nouveau départ. Tout recommencera comme avant. Peut-être une nouvelle Iria. Peut-être un autre Concordat. Et le sang qui coulera toujours à flot dans la gorge des puissants. Maigre filet dans celle des petits potentats. Et ceux qui paient le tribut ultime. Toujours plus pompés. Toujours plus exsangues. Rien ne change vraiment sous l'ombre. Comment pouvez-vous croire à ça ? Cette comédie tragique. Toujours répéter que vous me dépeignez, qui vous en a assuré ? Vous prenez vos désirs de mort pour la seule réalité ? Je vais me battre pour sauver ce qui peut l'être. Je suis l'éternité. C'est de la folie. Je ne crois pas que la raison ultime est la même chose que la folie. La fin de ta vie. Sans toi. Te voici, Gort, fou du roi, selon tes propres mots. Peut-être qu'un fou aura la réponse. Pourquoi l'ai-je tué ? Lui avait accordé la dernière paix. Elle était l'impérium. Elle ne pouvait y survivre. Il n'est pas bon que d'anciens souvenirs empêchent la naissance de l'avenir. L'avenir, un éternel recommencement. Pourquoi es-tu allé voir Dark ? Afin de le prévenir que Rostro allait rompre le Concordat. Vous m'en voulez, maître ? Non. Mais ça m'a surpris. Pourquoi intervenir dans leur histoire ? Il tergiversait. Je crois que... j'en avais assez d'attendre. C'est amusant. Peut-être aussi que je voulais que ça change. Que tout recommence. Allons, Gort. Viens avec moi dans le monde voir renaître les temps anciens.
Et une nouvelle histoire ressassant les mêmes principes éternels. Viens. Oui, monseigneur, je viens. Il n'y aura pas de fin à mon rêve.